Ton caca. Quoi, casson? Ton caca. Quoi, casson? Elle est quoi? Elle est plus mal à ça. C'est un comate. Hey. Comment tu fais? Donc, elle est sorcière. Comment elle est rentrée dans la sorcellerie? Elle dit sa maman. Elle était malade, donc on a appelé au village pour surveiller sa maman. Donc, elle avait la sorcellerie. Donc, quand elle est morte, ça va la qualité de la sorcellerie. Ta maman était sorcière. Oui. La soeur de sa maman était sorcière. Ouais. Donc, elle était malade, elle est allée la surveiller sa maman. Et donc, à sa mort, c'est là maintenant elle a la sorcellerie. Ouais. Ils ont donné la sorcellerie. Voilà. Et quand ils lui ont donné la sorcellerie, qu'est-ce qui s'est passé? Donc elle a appelé à tuer son fils d'abord. Comment tu as tué ton fils? On va se rappeler au Wagnon. Elle dit qu'elle s'est transformée en un oiseau hibou. Et puis maintenant, elle a tué son fils. Sa fille. Comment? Elle s'est transformée en hibou pour tuer sa fille. Comment toi tu es un être humain, toi tu es homme. Faut qu'elle explique. Non, yo, fatigue au sang. La face est à hier, à Kati. Toi tu es homme. Et puis tu arrives à te transformer en hibou. Faut expliquer ça. Elle dit, pendant qu'elle se couche, c'est pendant la nuit. Elle se transforme. Comment elle dit quoi? Pour se transformer derrière quand elle a Katia, imagine. À quand elle côté, je vais. Elle dit avant de partir. Elle dit, c'est comme si tu entends. Elle dit d'abord, elle dit je vais partir tant. Maintenant c'est là, maintenant elle se transforme. Ah, elle donne l'endroit. Voilà. Maintenant c'est comme si tu étais en train de monter dans un avion. Oh, on pense que tu dors. La vieille est en train de dormir. On lui dit, on pense que tu dors. Oh, pour qu'elle aille, et pour qu'elle aille à son avis. Oh, tu dors pas. Quand je lui ai l'avis, elle dit, c'est ça. Mais pourquoi? Une question. Oh, on te baille, il est. Bon, tu as tué qui est qui? Moi, je suis un peu de bien. Je suis un peu de bien. Premièrement, tu as tué. Elle a tué premièrement elle-même sa fille. Comment tu l'as tué? Pour passer à la première fille. Elle s'est transformée en hibou pour la tuer. Et tu l'as tué? Pour la punir. Mais ta propre fille qui a fait 9 mois dans ton ventre. 9 mois. Ça t'a rien dit de la tuer. Comme c'est dans le spirituel, elle n'a pas eu pitié. Tu n'es pas pitié là-bas. Non, mais non, elle est plus loin encore une fois. Encore une fois. Ah, voilà, c'est ok, voilà. Et tu l'as mangé. Pas dit. Quel doux, j'ai fait. Ah oui, j'ai fait demain. J'ai fait. Il y a quand la personne est c'est comme si la viande pour l'habitude. Ah, c'est comme la viande, donc faites, Voilà, donc c'est bien. Et toi, tu as mangé quelle partie? Elle dit, ils ont coupé. Oui, donc elle a mangé. Elle a dit, c'est un doux. Elle fait. Quelle sauce tu as fait? Sauce claire. C'est sauce claire. Quel est le nom? Ma couche, c'est une sauce plantée. Lui, là, c'est qui? Moi, c'est son fils. Qu'est-ce qu'elle a fait, celui-là? Elle dit qu'elle a gâté tout là où il est, il habite. Elle a mis en tout cas la mise à porte là. Parce qu'il ne s'occupe pas de lui. Parce que tu as fait quoi? Tu lui.
Il a pris sa chance, il dit qu'il n'a pas ce privilège comme ça. Où il a pris sa chance? Il n'est pas vraiment facile. Où est-ce qu'il est allé? Vous savez, sa chance est bloquée. Il a bloqué, il ressemble à bloquer des choses. Viens avant de te découvrir. Vous ne regardez même plus comment vous savez que tout est gâté. On l'a regardé comme ça. Hein? Tu as pris aussi caca pour mettre sur lui. Mais tu. Comment tu as fait? Faut montrer. On ne va pas te frapper. Comment tu as fait la nuit? Avec quoi? C'est un pommade. Comment tu fais? Ton caca. Ton caca. Tu fais quoi? C'est plus que de même quoi. En cas de rejeter. Il est encore capable de sortir. Il est capable de Il dormait ce jour-là, tout à fait. Je vous en prie, l'allié, il faut que l'allié pour un appel. Il faut Jésus. Vous connaissez Jésus. Oui, réponds ma question. Ah, tu ne connais pas Jésus. C'est très bien. Caca la main, la caca beaucoup sur toi. Quand quelqu'un peut vivre, il dit qu'on n'est pas Jésus. Tu veux que chercher te laisse. C'est normal. Tu connais pas Jésus. C'est normal que c'est qu'on fait peinture sur toi. Tu n'as pas dit j'en ai caca. Jésus là. Si tu as Jésus, elle ne peut pas venir jouer ta vie comme ça. Quand nous mêmes on te regarde là, vous savez que tu es perdu. Tu es gâté, nini nini sur toi. Regarde comment tu es devenu. Quand tu regardes là, rien. Tout le monde va te chasser. Mais Jésus là, il peut encore te sauver. Amen. Alléluia. Comment? Peut-être que tu ne sais pas, mais Jésus là, c'est ton sauveur. Tu l'ignores, peut-être que tu as entendu parler comme ça, mais tu ne sais pas qui il est ton sauveur. Si tu l'acceptes aujourd'hui là, il va changer. Ce qui a été gâté là, Dieu va transformer ça. Il va lever tout et puis il va donner une orientation à ta vie. Est-ce que tu veux accepter Jésus? Hein? Il va accepter ça. Aujourd'hui? C'est pas ça, il faut dire je vais l'accepter. Je vais l'accepter. Lève ta main. Faut dire Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur personnel. Entre dans mon cœur et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Amen. Merci pour sa vie, Seigneur notre Dieu, de le transformer et de faire de lui un véritable chrétien. Merci pour ta miséricorde et pour la restauration de sa vie. Merci d'avoir sauvé son âme. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Désormais, tu es devenu enfant de Dieu aujourd'hui.